apprenons à écrire l'alphabet. Première lettre, la lettre A. A. Je tourne vers la gauche, je monte et maintenant je descends vers la droite. Observons une deuxième fois. Je tourne vers la gauche, je me colle à droite, je descends. La lettre B maintenant. Le B est une lettre qui monte jusqu'en haut. Et puis elle redescend dans le chemin pour finir vers la droite. Regarde une deuxième fois, je monte, je descends, je tourne vers la droite et je fais mon accroche. La lettre C. C est une lettre qui tourne, mais elle ne se ferme pas. Observe, c'est une lettre qui tourne vers la gauche et elle remonte légèrement à droite. La lettre D. D est aussi une lettre qui tourne, c'est comme la lettre A. Maintenant, je colle un bâton qui démarre d'en haut et qui tourne lui aussi vers la droite. Je trace mon rond qui tourne vers la gauche, je démarre en haut, je descends et je tourne vers la droite. La lettre E. E est une lettre qui va partir vers la droite. Elle monte et tourne vers la gauche pour redescendre et partir à droite. Je m'en vais à droite, je monte, je tourne vers la gauche et je tourne toujours vers la droite. E va aussi nous servir pour faire le son E. Je trace mon E et j'y ajoute un accent qui va tourner cette fois-ci vers la droite. Regarde, je trace le E, j'ajoute l'accent qui tourne vers la droite. Je vais aussi faire le son E. C'est le E avec l'accent qui tournera cette fois-ci vers la gauche. E, c'est le E avec l'accent qui tourne vers la gauche. La lettre F. F est une lettre qui va monter comme le B, mais elle va descendre jusqu'en bas avant de remonter dans le chemin vers la droite. Elle n'est pas facile. Le F, il monte, il descend complètement tout droit jusqu'en bas et je tourne vers la droite en remontant. La lettre G. Le G est une lettre comme le A. Elle va tourner et on va lui accrocher une boucle qui descend. Cette boucle remonte vers la gauche cette fois. Je trace mon rond, je descends bien droit et je tourne vers la gauche avant de remonter et de croiser sur la ligne. La lettre H. Le H est une lettre qui va monter. Elle va s'arrêter à la ligne. On va lui accrocher un pont qui tournera vers la droite. Observe. Je monte, je descends, je m'arrête, je remonte pour accrocher mon pont qui tournera vers la droite. La lettre I. I reste dans le chemin. Elle va monter vers la droite. Elle va faire une petite pointe pour redescendre vers la droite. Je monte, je m'arrête, je redescends vers la droite. Point. La lettre J. J va pointer comme le I, mais elle va avoir une boucle qui va tourner vers la gauche. Regarde. Je monte, je descends jusqu'en bas, je tourne vers la gauche et je reviens dans mon chemin. La lettre K. K va monter, elle va s'arrêter comme le H,
Et ici, je vais devoir lui faire des boucles. Je monte, je m'arrête, je remonte, je lui fais une petite boucle qui tourne à droite et je redescends avec un petit pont vert à droite. La lettre L, elle va monter, va tourner vers la gauche et va redescendre, se plier à droite sur le chemin. Je monte vers la droite, je tourne à gauche et je redescends sur mon chemin à droite. La lettre M, M va se faire en trois fois. Je monte, je descends, je monte, je descends, je monte, je descends et je tourne à droite. Je te remonte. Je monte, je descends, je monte, je descends, je monte, je descends et je tourne à droite. La lettre N. N se fait en deux fois. Je monte, je descends, je monte, je descends et je tourne à droite. Regarde encore, je monte, je descends. Je monte, je descends et je tourne à droite. La lettre O. O démarre comme le A. Je tourne vers la gauche. Je remonte à droite et je fais une petite accroche en passant. Je tourne, je remonte et je fais mon accroche comme une boucle qui tourne. La lettre P. Le P va commencer comme le I, mais va descendre beaucoup plus bas. Et je vais venir accrocher un pont sur la barre dans le chemin. Regarde encore. Je monte, je descends. J'accroche un pont qui tourne vers la droite. La lettre Q. La lettre Q est comme la lettre A. Je tourne vers la gauche, je remonte et je lui accroche une grande barre qui descend cette fois. Regarde encore. Je tourne pour faire la lettre A et je lui accroche une grande barre qui descend. La lettre R. R va monter. Il va aller tout droit sur la ligne et il va descendre pour tourner à droite. Je monte, je vais sur le côté à droite et je descends pour tourner sur la droite. La lettre S. S va monter, on va se décaler vers la droite et tourner vers l'intérieur à gauche. Je monte, je pique vers la droite et je tourne vers la gauche. La lettre T maintenant. T va monter très loin et on va redescendre tout droit. Je fais une petite barre pour finir le T. Je monte, je redescends au même endroit, je tourne à droite, je fais une petite barre vers la droite. La lettre U. U monte, il descend vers la droite, il remonte, il descend vers la droite. Je monte, je descends à droite, je monte, je descends à droite. La lettre V. La lettre V va monter, tourner à droite, redescendre et remonter vers la droite en faisant une accroche. Je monte, je descends, je tourne à droite, je fais mon accroche. La lettre W. W va monter, descendre, remonter, redescendre au même endroit et remonter toujours vers la droite. Je monte, je descends, je remonte au même endroit, je redescends, je pique vers la droite. La lettre X.
X va monter, tourner vers la droite et revenir au centre vers la gauche. Et je lui accroche un C qui va tourner lui vers la gauche pour remonter à droite. Je monte, je tourne vers la gauche, je fais mon C qui tourne vers la gauche et qui remonte à droite. La lettre Y. Y va monter, redescendre, remonter, redescendre très loin et j'accroche une boucle qui tournera à gauche avant de remonter. Je monte, je descends, je monte, je descends très loin, j'accroche une boucle qui tourne vers la gauche avant de remonter. Enfin la lettre Z. Z va monter, tourner sur sa droite, redescendre et faire une énorme boucle sur la droite. Je monte, je vais sur la droite, je descends, je fais une boucle qui va sur la droite. Et voilà, nous avons fini. N'hésite pas à regarder à nouveau cette vidéo.